nous avons cette jeunesse-là qui a pris conscience donc d'un certain nombre d'investissements qui sont en cours. Je voudrais prendre juste le cas du port sec, qui va donc occuper des centaines de milliers de jeunes. Et il est donc important que cette jeunesse-là comprenne que le succès, le développement ne peut que se faire à travers le développement, en tournant le dos, bien entendu, à cette menace terroriste qui est réelle et pour laquelle vraiment nous avons une jeunesse qui collabore au quotidien avec les forces de défense et de sécurité, qui participent aux cellules civilo-militaires, aux activités des cellules civilo-militaires, de force à renforcer ces liens, forces de défense et de sécurité et population.